بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Mes frères et sœurs, je suis très heureux de vous voir de nouveau pendant cette période bénie du mois de Ramadan. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستفيدون من رمضان. On demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous tous des hommes et des femmes qui profitent de ce mois de Ramadan. Nous allons voir un certain nombre d'épisodes de vie. Et je ne vais pas appeler ça des histoires. Parce que les histoires, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, des choses qui sont inventées, des choses que l'on a créées pour faire plaisir aux gens. Non, 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 mes frères et sœurs. Nous allons prendre des épisodes de vie des lumières de la communauté musulmane. Walhamdulillah. Parmi les sahaba, parmi les tabi'in et parmi les contemporains, inshallah ta'ala. Un voyage pour faire en sorte que ces histoires deviennent notre réalité, inshallah ta'ala. Commençons donc avec une des choses qui est les plus importantes. L'apprentissage de notre din. Et ne traduisez pas din par religion, mes frères et sœurs. Non, 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 non. Ad-din, c'est notre mode de vie. Et l'islam, c'est notre mode de vie, inshallah ta'ala. Nous allons donc voir en premier lieu l'histoire d'un des grands imams de la communauté musulmane, Abu Abdurrahman Baqi ibn Makhlad. On va l'appeler Baqi ibn Makhlad. Il a grandi en Andalousie. Il est né en 201 et mort en 276. Il a grandi en Andalousie et était un homme qui aimait les sciences islamiques, qui aimait surtout le hadith du prophète, les paroles prophétiques, plus que tout au monde. À l'âge de 20 ans, il avait déjà fait le tour de tous les muhaddithoun, c'est-à-dire les érudits dans la science des paroles prophétiques. Il avait fait le tour de tous les érudits en Andalousie. Et rappelez-vous bien de ce qu'était l'Andalousie. Il entend parler d'un homme qui s'appelle Ahmed ibn Hanbal. On va répéter, Ahmed ibn Hanbal. Et pour avoir un réel respect, l'imam de la sunna, Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, il décide d'aller le rejoindre. Une problématique se pose. Baqi ibn Makhlad habite en Andalousie. Il se doit de traverser l'Andalousie, puis la Méditerranée, puis l'actuel Maroc, puis l'actuelle Algérie, puis l'actuelle Tunisie, puis la Libye, puis l'Égypte, puis l'Arabie, pour remonter et aller jusqu'en Irak, là où est l'imam Ahmed, rahimahullah. Si aujourd'hui ça nous prend 6 heures ou 7 heures, mes frères et sœurs, wallahi al-azim, à cette époque, ça prenait des mois, voire des années. Et c'est ce qui s'est passé pour lui. Il a réussi à économiser, prendre tout ce qu'il avait et partir. Il a dépensé tout son argent simplement pour traverser l'Andalousie et traverser la mer Méditerranée. Arrivé de l'autre côté, il n'a plus d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête et il commence à travailler. Il travaille pendant des mois et des mois et des mois pour avoir juste assez pour continuer son voyage. Alhamdoulillah. Et il s'arrête et il reprend. Ainsi de suite pendant, écoutez bien, 5 années. 5 années, non pas d'études, mais 5 années à réviser ce qu'il connaissait déjà pour aller voir l'imam Ahmed, rahimahullah. Pensez au fait que nous avons aujourd'hui dans nos téléphones portables tellement de textes de l'islam, est-ce que simplement on les a lus ne serait-ce qu'une seule fois? Au bout de 5 années de son voyage, de son périple, et rappelez-vous à cette époque-là, durant le voyage on peut se faire assassiner, il y a des brigands, il y a des personnes qui peuvent t'en vouloir, qui peuvent prendre ton argent. Il a risqué sa vie pendant toutes ces années, pour une seule chose. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et à prendre son dîn, mes frères et sœurs. Apprendre son din. Au bout de 5 années, il arrive en Irak. Et il entend que l'imam Ahmed, rahimahullah, a été interdit d'enseigner. On lui interdit d'enseigner par rapport à un épisode de vie que nous allons voir par la suite, inshallah ta'ala, dans une prochaine vidéo. Il décide de se rendre à la maison de l'imam Ahmed. Après être passé par un muhaddith de la ville qui s'appelle Yahya ibn Ma'in, qu'il l'informe de la présence de l'imam Ahmed. Il frappe à la porte. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. L'imam Ahmed le voit, ne connaît pas son visage.
Et Baqi ibn Makhlad rahimahullah lui dit: « Ya imam, je suis venu de loin pour étudier chez toi. » « D'où es-tu venu ? » « Es-tu venu de l'Irak ? » ?»« Non, plus loin. » « Es-tu venu de l'Arabie ? » ?»« Plus loin. » « Es-tu venu de l'Afrique, du nord de l'Afrique ? » ?»« Entre nous et entre le nord de l'Afrique, il y a une mer que j'ai dû traverser. » « Je suis venu de l'Andalousie. » L'imam Ahmed reste scotché. Et il lui rajoute: « Je suis venu de l'Andalousie à pied, mes frères et sœurs. » À pied. L'imam Ahmed sent qu'il ne peut pas lui refuser ce fadl, cette ni'ma, ce bienfait de lui donner la science. Et il trouve avec lui une combine. Il lui dit: « Écoute, je n'ai pas le droit d'enseigner. Par contre, il y a une chose que je fais chaque jour. C'est qu'à chaque fois que des mendiants passent, je leur donne de la nourriture ou je leur donne de l'argent. » Donc ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas aller voir personne et que tu vas vivre comme un mendiant à partir d'aujourd'hui. Personne ne te connaîtra en tant qu'étudiant en sciences. Et tu n'auras pas le droit de te montrer en tant qu'étudiant en sciences. Et tu vas venir me voir tous les jours habillé en mendiant en disant « Al-Ajara rahimakumullah, Al-Ajara rahimakumullah, la récompense d'Allah, qu'Allah vous fasse miséricorde, donnez-moi de l'argent. » Et tu viendras à ma porte et pendant que je te donnerai des choses, eh bien, je te susurrerai à l'oreille certains hadiths. » Ainsi, on dit qu'il a réussi à prendre de l'imam Ahmed 250 hadiths. Puis Allah Azza wa Jalla a facilité et il a fait en sorte que l'imam Ahmed rahimahullah puisse de nouveau enseigner. Baqi ibn Makhlad, un des plus grands imams de la communauté musulmane, un des plus grands imams qui a écrit un tafsir qui est comparé au tafsir de l'imam Tabari rahimahullah. Mes frères et sœurs, cet homme correspond à un verset du Coran. Et ce verset, je vais l'utiliser plusieurs fois durant ces épisodes de vie. « Min al-mu'minin rijal, sadaqu ma'ahadu Allah alayh. » Il y a parmi les croyants de véritables hommes qui se sont acquittés de l'engagement qu'ils avaient contracté avec leur Seigneur. Alors mon frère, ma sœur, fais en sorte de pouvoir rentrer dans ce verset. Après cette histoire, toutes ces choses qu'on a entendues, cet épisode de vie passionnant de l'imam Baqi ibn Makhlad, rahimahullah, wallah mon frère, ma soeur, haram alayna, on ne peut pas rester sans rien faire. Alors on va se donner un objectif. Et pour chacune de ces vidéos, il y aura un seul objectif à atteindre, inshallah ta'ala. Ton objectif aujourd'hui, c'est de montrer à notre Seigneur que tu aimes la science. Alors mon frère, ma soeur, tu vas à partir d'aujourd'hui t'engager à faire quelque chose. Une action, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, une seule. L'action, ce sera de mémoriser un seul verset du Coran par jour. Un seul verset. Ainsi, tu auras tous les jours une relation, une alaqa qawiyya avec Kitab Allah, une relation avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un verset par jour, inshallah ta'ala, pour faire partie de ceux qu'on appelle étudiants en sciences. Un verset par jour que tu vas réviser et que tu vas apprendre et dont tu vas regarder au moins sur internet l'explication. Chaque jour, apprendre un verset avec l'explication, mon frère. Tu l'apprends en arabe, hein? Et tu apprends la traduction en français aussi, inshallah ta'ala. Ainsi, tu vas pouvoir ouvrir des portes. Et ces portes-là, derrière ces portes, il y a une pièce. Et cette pièce, c'est celle qui est réservée à une partie des élus d'Allah, ceux qui étudient son dîn. On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que toute notre existence, toute notre vie, nous fassions partie de ceux qui étudient le din, ya Rabbal Alamin, qu'on puisse rentrer au paradis par ces actions-là. Mon frère, ma sœur, les outils sont entre tes mains. Soit cet épisode de vie, tu en fais simplement une histoire de plus que tu auras entendu sur internet, soit tu te prends en main, inshallah ta'ala, et toi tu fais de cette histoire ta réalité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.